Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Anduilo, je suis brésilien. Je suis brésilien, mais maintenant je suis guadeloupéen. J'habite au Guadeloupe, okay. Ça fait 4 ans et demi. On a monté un club en Guadeloupe pour développer le JJB. Avec Charles, on élève le... On porte le drapeau de Guadeloupe et ça me fait plaisir. Ça me fait, je suis très content d'habiter Guadeloupe et de faire part de toute sa vague qui vient guadeloupéen pour le championnat. Ok. Toi, c'est quoi ton parcours Jiu-Jitsu au Brésil? Tu as commencé jeune? Comment ça s'est passé? J'ai commencé le JJB à 26 ans. Ouais, c'est jeune. Oui. D'une certaine manière, c'est jeune. Oui, au Brésil, chez moi, Recife. Je viens de Recife et jamais je m'arrête. C'est la grande passion. Je suis tombé amoureuse et je suis là. D'accord. Et toi qui as connu le JJB au Brésil aussi, comment tu trouves la scène française et ce que fait la CFJJB par rapport à ce que tu peux connaître au Brésil ou ce que tu as pu voir ailleurs? Je vois que c'est le JJB en France. À chaque année, il est plus fort et je vois qu'il y a plus d'adhérents. Le niveau, ça monte beaucoup. Je me sens comme si j'ai fait la même compète au Brésil. Quand j'étais au Brésil, j'ai fait pas mal de compètes. Et maintenant, je suis plus professeur que compétiteur. Et donc, ça me fait plaisir d'y voir l'évolution de JJB en France. Ok. Bon, si on veut s'entraîner ou tourner avec toi, donc il faut aller en Guadeloupe. Oui, pour tourner avec moi, c'est en Guadeloupe. Et nous sommes au Gosier, qui est au beau milieu de la Lille. Et c'est avec plaisir, c'est chez vous. Tout le monde peut venir. La porte est ouverte tout le temps. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Allez, os.